Je suis Madame Emmanuela Vasikia, je suis la coordonnatrice des AVSD, Action des volontaires pour la solidarité et le développement. Les enfants sont recrutés dans des groupes armés, les enfants travaillent dans des carrés miniers, les enfants ne sont pas identifiés. Alors le recrutement des enfants dans les groupes armés se fait par force. Et ce sont des enfants non accompagnés. Ils sont victimes de viols, victimes des guerres. D'autres sont là pour se venger. Par exemple, à Beni, on tue les parents, les jeunes et toute la famille à la présence de l'enfant. L'enfant sera traumatisé, il va se dire peut-être dans les groupes armés, je vais être colonel, je vais être général et par la suite je viendrai venger mes parents. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a plusieurs enfants dans les groupes armés. Alors pour les amener à la raison, après les sensibilisations dans les milieux là où ils sont, nous les sensibilisons dans les CTO pour qu'ils reviennent à la raison. Nous sensibilisons la communauté pour qu'ils acceptent les démobiliser et travailler ensemble. La communauté fait de tous les miens pour accéder, pour chercher la terre aux démobilisés et travailler ensemble dans les activités agricoles.